OK, Lionel, 100%. Ah oui, j'ai fait le temps de la visite, OK? Ben oui, c'est ça, on peut discuter. Donc, bonne fin de journée, puis à la prochaine. Ben vas-y, Marc, pour saluer Lionel rapidement. Lionel, merci pour le retour du coup. Alors, vous avez dans votre QSO, et puis ça fait très plaisir. Alors, mes amitiés à toi, la bonne soirée, en espérant que tu vas vous aider. Et puis, je regarde, j'ai beaucoup aimé, là, redonner la chance aux Français, là. Il n'a pas fini de transmettre. Bye bye. Alors, des amitiés à toi, André, des amitiés à toi, Lionel. Moi, je pense que tu as fait. Bye bye. Ouais, OK. OK, le Marc qui vient de finir, ouais, c'est ça, Lionel. OK, bye bye, Lionel. Bon, la Normandie, allez. Ouais, André, là. Les bonnes 73, André, 14, Charlie Bravo, 0,50, là. L'opérateur, Fredo. Voilà, André, on a fait QSO hier, là. On a fait QSO hier, là, André, la QSL. Bon, OK, Fredo, ben oui. Ben oui, puis mais hier, c'était arrivé plus costaud, ben c'est vrai que là, il est tard, là, il est chez vous. Et puis, je sais pas si tu reçois Marc, il y a Marc aussi qui est dans le QSO, près de Québec, la ville de Québec. Moi, je suis près de la ville de Montréal. Est-ce que tu reçois Marc, Fredo, à toi? Ah, tout petit, hein, je l'entends, mais vraiment tout petit. Ce qu'il dit, c'est compréhensible quand même, j'arrive à le comprendre. Mais tout petit, hein. Toi, tu m'arrives plus fort là, André. Hein. Tu me fais des pointes à 58 là, voilà, hein, 58 voire 59. Voilà, André. Hein, mais bon, je l'entends, petit, mais bon, compréhensible. Voilà, André, retour. Ok, 100%. OK, ah bon, c'est bizarre, parce que pourtant, ça devrait être aussi bon que moi, là, quand même. Toi, Marc, t'as une antenne directive, t'as un BIM, Marc, à toi? Ah, t'as ça, toi, une HV9CV, la même antenne que moi. Où est-ce que t'as ramassé ça, une HV9CV? C'est avec Jacques, un Lyonnais sur Lyon, qui est venu passer 15 jours avec nous. Là. Alors, il nous a enseigné comment fabriquer la HD9CV, QSL André. Oui, c'est vrai, Jacques en a fait plusieurs pour le 2 mètres et puis en a stacké, puis tout. Ben oui, Jacques, ben oui, tout à fait, tu as raison, c'est vrai. Ça vient de me revenir. Là. Ben oui, lui, il adore ces antennes-là. Je ne sais pas s'il l'a fait en cuivre, en cuivre ou en aluminium, en tout cas. Puis sur 2 mètres, là, il s'en est fait. Moi aussi, je m'en étais fait sur 2 mètres, puis je préférais ma disque et les banquoines. Sur 2 mètres, OK. 100%. Ah bon, parce que Fredo, il disait qu'il avait un petit peu de difficulté à t'entendre. Ben, on a tous les deux la même antenne. Bon, ben c'est ça, Fredo, c'est peut-être une question de distance que la ville de Québec ou la ville de Montréal, la propague est un petit peu différente. Il y a quand même, on est à combien de kilomètres, je me souviens pas là, peut-être à 200 kilomètres, je ne sais pas. OK, ben c'est ça, Fredo, OK, ben oui, puis les événements, ben toi aussi, probablement que tu as suivi les événements à Paris, là, c'est pas comique, hein, à toi, Fredo. Ouais, merci André du retour là. Bah tout à l'heure là, il m'a fait des pointes à 56 là. Hein, voilà, c'est Marc je crois. Hein, voilà, il a fait des pointes à 56 là. C'était un petit peu mieux. Hein. Donc voilà. Et oui André, oui pour en revenir à ce que tu dis là, oui j'ai suivi aussi les événements là aussi de très près. Hein. Voilà, hein. Malheureusement c'est triste là pour ces pauvres gens là qui n'ont rien demandé, hein, qui demandaient rester vraiment voilà. Voilà, comme moi je dis, hein, voilà, un jour on est là, un jour on n'est pas là. Hein, on sait pas. Voilà. Aujourd'hui on est là et demain
demain peut être autre chose. Hein. Voilà, hein, donc voilà. Mais bon, c'est triste, hein. C'est très très triste, hein, parce que voilà, c'est pour ces gens-là qui faisaient leur travail, ils demandaient rien à personne, hein, et puis voilà. Hein, et bon, ben voilà. Il y a peut-être des choses qu'on déplu sur certains. Peut-être certaines choses publiées dans ces articles, hein. Donc voilà, et puis les caricatures aussi, hein, peut-être aussi, ça n'a pas plu, voilà. Je pense que voilà, il y a des choses comme ça aussi, hein. Mais bon, voilà. Mais bon, apparemment là tout est rentré dans l'ordre. Les preneurs d'otages ont été exécutés, donc voilà, hein, et ils ont été exécutés, ça a été confirmé, hein. Donc voilà, hein, bon ben voilà, nous voilà tranquille, mais bon, ça redonnera pas les pauvres gens qui sont partis, qui demandaient que qui voulaient prendre la vie autrement. Voilà, André, retour micro. Ouais, c'est ça, Michel, je t'ai entendu, ça sera pas long. Il y a Michel du sud de la France, je ne sais pas trop en tout cas. Ouais, ben c'est ça exactement, Fredo, hein. On ne tue pas pour un dessin, hein. C'est une caricature, c'est un bout de papier, c'est pas de raison de tuer pour ça. Puis le dessin, ça n'a pas d'importance. Ici on a accès à ça. J'ai vu les dessins, c'est des caricatures, hein. C'est des clins d'œil. Il n'y a pas de raison. Non, ces gens-là, c'est des fanatiques, c'est des... ça n'est pas justifié, les gestes qu'ils posent. Ouais, règle numéro un, ça n'est pas justifié. Il aurait fait juste un crochet dans le coin de la page et puis il aurait dit, ben je vais te tuer parce qu'il y a un crochet dans le coin de la page et j'aime pas ça. C'est aussi ridicule que ça. Ces gens-là, ils sont... moi, je considère que ça fait partie d'une maladie mentale. Des gens pas évolués. C'est des maladies mentales. Des gens pas intelligents. Voilà, simplement. Mais que voulez-vous, ça fait partie de la nature humaine. Il faut faire avec. Il faut... comment les traiter ou les isoler. Ouais, c'est ça. Les envoyer dans un endroit, puis entre chez vous, avisez-vous, faites-vous exposer, puis allez rejoindre Allah, et puis c'est tout. Et voilà, c'est tout. Nous, on n'est pas comme ça. On est les Occidentaux, hein. Non, c'est ça. C'est différent. C'est à l'opposé, hein. Eux, c'est de la dictature religieuse, et puis nous, ben, on est laïcs. On n'en veut pas de la religion. Alors, ils respectent qui que nous sommes. Ils n'ont pas d'affaires à venir chez nous. Hein. Tout simplement. Ils restent chez eux. Et puis, c'est le bonheur. Mais, en tout cas, si moi je serais le gouvernement, c'est certain que les frontières seraient fermées à ces gens-là, tout simplement. Ou, vous allez accepter une condition, puis ça va être une obligation. Mais il n'y a pas ça ici. Chez vous, c'est pareil. Ici, les gens ont des droits, mais ils n'ont pas de devoirs. Aucun devoir, seulement des droits. Ça, c'est pas normal. À toi, Fredo. Ouais, ok, là, André, là. Ouais, ben oui. Voilà, après, comme tu dis, là, c'est vrai qu'on pourrait, faire le gouvernement. Voilà, après, c'est vrai que, voilà, on serait mis, je veux dire, à part de ces gens-là. C'est vrai que voilà, ça serait mieux, je pense, hein. Mais bon, c'est pas nous qui faisons le gouvernement, et voilà, on peut rien, voilà. On dirait rien, je pense que ça serait mieux, hein. Mais bon, je pense que dans des cas comme ça, on peut que réagir, hein. On peut que réagir, parce que franchement, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé là. Voilà, hein. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, donc on va bien voir, hein, ce qu'ils vont dire là. Je vais écouter là, ça ce soir de très près là, voir ce que ça va donner là. Voilà, parce que là apparemment il y avait, ils étaient encore, bon, de toute façon ils sont encore pas mal sur place là, et donc bon, on va bien voir ce que ça va donner le temps que les petites choses se passent là, et puis on va voir ça.
Voilà, André. Hein. Donc, ben voilà. Et puis, ben Marc, je sais pas si tu es encore avec Marc. Moi, je l'entends plus du tout. Et puis voilà. Ben moi, autrement, je te reçois dans de très bonnes conditions, là, André. QSL, André. J'ai un appel téléphonique, je te reviens avec Eric. Hey, QSL, merci pour le retour, micro, André. Alors, bientôt, moi, je t'entends, là, puis je t'entends, mais c'est petit de mon côté. Mais je transmets mes amitiés, la bonne poignée de main, et puis je veux dire que je suis Charlie Hebdo. Ouais, ok, là, Marc, hein. Ok, bah oui, hein. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Voilà, ben Marc, hein. Ben écoute, moi je t'envoie aussi les bonnes 73, toutes mes amitiés, là, hein. Voilà, depuis la Normandie, département 50, voilà, je suis dans la Manche, là, hein. Je suis à une quinzaine de kilomètres, là, de Cherbourg-Octeville, là, voilà, Marc. Et puis voilà, bah oui, bah moi, là, ma foi, tu m'arrives mieux que tout à l'heure, hein. Tu m'arrives mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est vrai que c'était vachement plus petit, hein. Donc voilà, Marc, est-ce que Marc, tu peux me revenir avec ton indicatif, là? De mon côté, Fredo, là, avant de te perdre complètement, là, mes amitiés à toi, et puis je vais me souvenir de ton prénom, là. Alors on aura la chance de croiser les derniers à nouveau. Mes amitiés à toi, et à bientôt, bye bye. Ah, ok, Marc, là, je sais pas si tu m'entends encore. Est-ce que tu pourrais me donner ton indicatif, là, Marc? Ah ok Marc, là, 9 Québec Charlie 749, c'est ça? À 747 là, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci Marc, hein. C'est bien noté. Voilà Marc, hein. Bon bah ok. Voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Ben, j'espère qu'on se reentendra dans de meilleures conditions, là, Marc. Voilà, hein. Ben, je te dis à très bientôt. Et puis, ben, je sais pas si André là, est revenu là, de son petit coup de fil. Là. Voilà, on va bien voir là au retour. Ok, Marc, ben, je te dis à très bientôt. Retour, André, si tu es revenu.